vie, ces mots authentiques, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie, ces mots authentiques, l'origine est vie. C'est mon authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine de vie. C'est mon authentique, les attributs de Dieu manifestés. À l'épouse du dernier âge, nous avons la révélation grâce au message du prophète. Et nous savons qui nous sommes et savons notre mission. Dieu soit loué pour l'origine de vie. L'origine de vie, c'est mon authentique. Le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. C'est mon authentique, l'origine est vie. C'est mon authentique, le vieil évangile. C'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé. Que le Seigneur vous bénisse. Apetola Neirami. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée ce matin pour être dans son service. Alors, avant d'attamer toutes choses, nous allons remettre l'émission en ligne entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre bien-aimé, bienveillant Père Céleste Jésus-Christ, c'est toi qui as créé les cieux et les choses qui sont. C'est toi qui as créé la mer et les choses qui sont. Et c'est toi qui domines sur les séraphins et les chérubins et les anges. C'est toi qui domines sur les nations et sur les royaumes. C'est toi qui es supérieur à tous les esprits. Ce matin, nous prenons nos têtes devant toi pour t'élever et te glorifier. C'est l'un de ces jours que tu es ressuscité. Donc nous sommes autour de ta parole ce matin pour honorer ta résurrection. Et notre prière, que tu nous environnes de la puissance de la résurrection ce matin pour ta gloire. Père éternel, l'on ne peut rien faire sans toi. Après la chute, c'est toi-même qui prêche ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous confions ce service en ligne à tes mains. Tu connais tes enfants, leurs besoins de près et de loin. Viens leur donner la satisfaction dans leurs besoins ce matin pour ta gloire. Et tout esprit ennemi contre la réunion ce matin soit voué à l'échec dans le nom du Christ. Père éternel,
Je me confie à toi. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Et touche ma langue, ma bouche pour expier mes péchés, mes iniquités, pour ton service au matin, pour ta gloire. Fais la même chose pour mon être ce matin pour ta gloire. Et je confie les techniciens entre tes mains. Accorde-leur l'onction du Saint-Esprit. Pour ton service au matin pour ta gloire. Moi et mon être ce nous avons besoin de l'onction Saint-Esprit. Pour ton service au matin pour ta gloire. Nous confions la connaissance entre tes mains. Et nous confions tout entre tes mains pour ta gloire. Les auditeurs et les auditrices de près de loin, nous les confions à toi ce matin pour ta gloire. Bénis ton peuple d'Israël ce matin. Et bénis ton épouse au Togo de la Monde ce matin pour ta gloire. Avoir tes anges avec tous les auditeurs et auditrices pour notre délivrance ce matin pour ta gloire. Père éternel, nous nous confions à toi. Viens présider la réunion. Va pour que la fin la gloire ne puisse te revenir. Ceux qui sont malades, viens les toucher ce matin pour ta gloire. Ceux qui sont liés par les joues de l'ennemi, viens briser ce matin, viens leur causer ce matin la délivrance pour ta gloire. Parce que tu es le Dieu de la délivrance. C'est pourquoi sois la délivrance ce matin pour tes enfants de près de l'heure pour ta gloire d'annoncer du Christ. Père éternel, merci de nous avoir exaucés. Nous avons prié dans le nom puissant Jésus avec action de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur Christ de nous avoir accordé la grâce ce matin d'être dans son service. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer notre pasteur de Donner Côté et sa maison d'annonce du Christ. Que Dieu lui bénisse ce matin. Et que Dieu le soutienne beaucoup. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu protège sa femme et ses enfants. Pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur bénisse les diacres, les administrateurs. Et que Dieu les soutient aussi. Pour la gloire de Dieu. Et que Dieu soutient les techniciens. Il n'a qu'à les bénir. Pour la gloire de Dieu. Et tous les ministres qui interviennent pour l'édification de l'épouse de Christ au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Je prie que Dieu bénisse leur maison. Et que Dieu bénisse leur ministère. Pour la gloire de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors, je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous écoutent en Afrique, dans le monde entier, que Dieu vous bénisse tous. Alors, sans trop tarder, nous allons prendre nos bibles dans Osée chapitre 6. Verset 1er jusqu'à la fin, jusqu'au 11. Osée chapitre 6. Verset 1er jusqu'à 11. Je lis.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relevera. Et nous vivrons devant lui. Premier jusqu'à terre. Eya unti mina mi agatro de Yehowa un elabena eya avuvu mi eye agadagbele mi un eye ade abi mi un eye agable nami agbo agbe mi le nkeke eve megbe eye le nkeke eton agbela afomi de titrenu ne mi ano agbele enkume. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galate est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichim. Car il se livre au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Amen. Abe keleti sifua anigba ene Ephraim duko mau Ephraim nuka mawo eye Yuda nuka mawo elabena nyabe lolole abe ndi lilipo ple zamu sinuyina le ndi ene eyata me foto nya glori la odi me cho nye nu me nya o wui eye nye vonu dodro je abe kekeli ene elabena lono pe nu jea nye u akpeda vosa eye si jeje ma u jea nye u nu me vosa ke wa o tu nye nu bablala abe Adam ene eye otro vule yonyeme le afima Gilead enye nutovo wala ofedu eye vufui nunola ofeha le abe ajoglasu siote hadila ene wowu amele hisem moji eye wowo mpenanu meponu si mele mekponu si mele bogblome o la le Israel fe afe la men Ephraim mekponu si mele bogblome o la le Israel fe afe la men Ephraim cho ahasi wowo do doele afima eye Israel dogu edokwi Yuda odo nungeyi dina woha ne megado nyeduko te. Amen. Amen. Nous allons ajouter Luc chapitre 19. Nyacho Luc ape agbane tawi asekelia. Luc chapitre 19 verset 37 jusqu'à 45. Luc ape agbane tawi aseke chokwipi bla et ton vo adren ide blanevo atonlia. Luc chapitre 19 verset 37 jusqu'à 45. Luc ape agbane tawi asiekelia chopi bibla ton vo adrelia ide blanevo atonlia di.
Je lis. Mais le Éclair. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : Si toi aussi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entrera dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient, leur disant : Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Amen. Amen. Lukape agbalẹ tawi asekelia chokpipi blatonvo adren ire blanevo atoliadi ke esi wogogo vado afisi wodia amitola pe abule nala nusrola ofe habli bola kata de asi tijokpokpo kple mawu kafukafu me kple gbesesiele nuse do owo si o kata wo kpo la nti gblobena Woyira fia si gbona le apeto la pe nko ame nti fafa le difo eye nti kokwe le difo bo eye farisito dometo adeo cho amehala dome gblona e bena nufiala benyana wonusrola o eye woko edi gblona o bena mele e gblona mi bena ne amesia o zikpila pe o adori eye esi o teva eye o po duala efa avide enti gblo bena wo ha de nenya nusina nti fafa wole wo nkeke siame ke azola eglado wo nku ela bena nkeke o ava dio eye wo keto afupore mwo Eye wa deto afo halao. Eye wa kakao de eme le guao katandi. Eye wa halao ble viwo siwo le meola de ani. Eye ome le pe blegede pedi le meo o le esi mejesi wo bokpodayi o lata. Eye esi wo ide ma ufe la mela. Ete asi amesio le nujram ple amesio le nuflem la nyanyame togwe. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Apeto la recho e rakbere epe nyala. Amen. Amen. Ce matin, avec les une heure de temps que nous avons devant nous, ndisi akple kapopo de kayo le ngonami la, nous allons aborder un petit sujet que je vais l'intituler. Nyatere mau nyade nti ike maneta nyabe. Reconnaître votre jour et son message pour l'enlèvement. Mido jesi miape bedasi plepon keke rena miape kokojoi. Amen. Amen. Reconnaître votre jour et son message pour l'enlèvement. Mido jesi allo do jesi wo bedasi plepon keke rena miape kokojoi. Amen. 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 Reconnaître votre jour et son message pour l'enlèvement. Dodesi won keke plepe gbeta si rena kokojoi. Amen. Amen. J'espère que ce message est très important ce matin. Mekwa sebena mawunya siala elevevie ndisia.
Parce que reconnaître votre jour et son message pour l'enlèvement est très important dans ces derniers jours. Elle a venu l'enquête mamle si on me l'a à deux jessi ou on quelque peu de bêta si elle a élevé vieux temps. Et pour reconnaître le message de ton jour, et il y a deux jessi ou on quelque peu de bêta si là. Et le jour que tu vis, plein un quelque il me connaît la belle là. Il faut un prophète majeur. Et il y a maouna glora gane. Et sans un prophète, sans un prophète dans un âge, mais dans ce temps-là, alors, nyaglorila le agbe, il ne me l'agbe non, il y a des mots là. Tu peux reconnaître le jour que tu vis et son message. Matema do jesi, nkeke meke ne l'agbe le, bakle pe bedasi o. Si aujourd'hui nous reconnaissons notre jour et le message que nous avons. Ne egbe ni etin do jesi ni apa nkeke ple bedasi ke le ni asila. C'est grâce le grand messager final le prophète Ulobrel que Dieu a envoyé dans ce tâche. De bedasi chola gan William Branham yike ma udoroda le beno isi ameta ni etin do jesi yo. Et Dieu a un but en envoyant un messager dans ce tas de la fin. Et ye tarodinore le ma aussi le imeto odo bedasi chola rere agbeno isi ame. C'est pourquoi quand Dieu envoie un messager, Dieu ne s'amuse pas à l'envoyer. C'est pourquoi je vous dis ce matin que vous qui avez reçu ce message et vous reconnaissez le jour de laquelle nous vivons, vous êtes un peuple prophétique. Tu es une épouse prophétique. Amen. 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 Et nous avons reçu un message prophétique. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier peut être aveugle. Mais ceux qui ont reçu le messager final à ce temps de la fin, eux, ils ne peuvent pas être dans les ténèbres. Parce que le message que le messager amène, c'est une lumière. Elle avait un bédassi que bédassi chola kekeliye onye. C'est pourquoi le prophète a dit dans le message, reconnais votre jour et son message. Et ata nyagolila blolema nyagbalabiko nata nyabena na doje si won keke bakole pe bédassi la. Paragraphe 89. Et nous me ben blan niveau assez kelia. Il dit, eh ben, mais les gens, d'aké amo, au lieu d'être bienveillants avec Noé, il le prenait pour une espèce de barbare. Il ne croyait pas qu'il était prophète. Vous savez, Jésus lui-même nous a dit que les gens s'étaient moqués. À l'époque de Noé. Yes, ils avaient ri de lui. Il avait traité de fanatique et quoi encore. Mais ils n'ont pas reconnu leur heure. Ils n'ont pas reconnu le jour. Ils n'ont pas reconnu le signe. Ils n'ont pas reconnu le message. Ils n'ont pas reconnu le messager. Mais ils l'ont expulsé du milieu d'eux et se sont moqués de lui. Jésus a dit, ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de la même manière à ce temps de la fin. Vous voyez un peu? Donc au temps de Noé, les gens n'ont pas reconnu Noé comme un messager. Donc sur coup, il ne peut pas reconnaître le jour de laquelle il vit. Ne pas reconnaître le message de ton jour et le messager de ton jour. Selon les écritures, c'est la destruction qui t'attend. Amen. 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 Le prophète continue. Paragraphe 90. Il dit alors qu'Israël est dans son pays.
Mais Azon Israël lève Jume. Que tout est en place maintenant. Et que le message s'installe parfaitement. Et quel jour vivons-nous, frères? Où en sommes-nous? Amen. Je crois que le passé que nous avons lu dans Osée a arrêté de parler des enfants d'Israël ici. Le comportement, la vie qu'ils menaient. Ils se suaient, ils se prostituaient. Ils sont devenus infidèles envers leur Dieu. Et une grande folie les a saisis. Et Osée a tenté de prophétiser contre eux. Parce que tout ce que Dieu dit dans sa bouche, sa main droite l'accomplit toujours. Quand les enfants d'Israël ils ont rejeté le Messie, Jésus a prophétisé contre eux. C'est pourquoi le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 9, Jésus est entré de parler aux enfants d'Israël pour les avertir. Au fait que les enfants l'ont rejeté. Et la Bible dit dans Luc 19, verset 37, que lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Que esi ogogo vado afisi wodia amitola pe abule nala lenala nusrola ope habli bola kata de asi dijokpokpo ple ma ukafukafu mekpe ple besese le unsedo o si o okpo la unti. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si se taisent, les pieds crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Je crois que Jésus, en allant à Jérusalem, en voyant Jérusalem de loin, en tant que Dieu dans la chair, il s'est vu déjà que Jérusalem l'a rejeté. Et du coup, Jésus a commencé à pleurer au fait que les Juifs l'ont rejeté. Et il leur disait, si du moins tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles se sont cachées à tes yeux. Si aujourd'hui le monde peut connaître ce qui appartient à sa paix, mais cela s'est caché à leurs yeux. Vous voyez? Amen. Et Jésus continue dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Elle avait un keke au avadio, eye, wo keto afupo de mou, eye, wade to afuklao.
Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Eye wa kaka o de eme le goa o katanti. Eye wa kela wo kule vi o si o le me o la de ani eye. Ome le kpe glegede kpe di le me o le esi me jesi o popoda yi o la ta. Ne pas reconnaître le temps où tu as été visité, c'est un danger. Ma do jesi ye yi me ke o sra o pa o la afokunu ye. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, comme les Juifs n'ont pas reconnu le temps, ils ont été visités. Les conséquences qui vont venir sur eux, Jésus a commencé à les souligner. Je peux croire que le jour où cette prophétie a commencé à sortir la bouche de Jésus, bon nombre vont voir comment ça ne peut pas s'accomplir. Mais je voudrais vous dire que tout ce que Jésus prononçait dans sa parole, rien ne peut pas faillir de s'accomplir. Et tout ce qu'il a prononcé devant le prophète, il a prêté mon sens à ce temps de la fête. Tout doit s'accomplir à la lettre. C'est pourquoi nous les élus à ce temps de la fête, on doit être éveillé. Le prophète continue de la brochure, reconnaît votre Dieu son message. À partir de paragraphe 81, il ne savait pas quel jour c'était. Ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils ont passé à côté. C'est parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient comme ce jour, passablement comme les gens d'aujourd'hui. Aveuglés par les preuves scientifiques. Amen. Par les systèmes d'éducation. Par les séminaires de théologie. Et les choses qui les ont aveuglés ce jour-là, elles ont fait la même chose aujourd'hui. Elles les ont aveuglés de nouveau. Donc au temps de Noé, c'est les preuves scientifiques qui ont vu que les gens de ne pas reconnaître le message de Noé. Les systèmes d'éducation ont vu que les gens, les séminaires de théologie ont aveuglé les gens. Tout comme nous voyons ça aujourd'hui. En voyant la main de le monde briller aujourd'hui, les gens ne prennent plus attention à la parole. C'est pourquoi l'enlèvement aura lieu, bonhomme ne saura pas. Le prophète a dit que dans une époque où les États-Unis a été envahi par les Japonais, c'est-à-dire il y avait une époque dans le passé que l'Amérique a été envahie par les Japonais. Et un jour comme ça, dans un communiqué simple, que c'est comme ça les Japonais sont envahis le pays. Cette information, c'est dans une émission radio d'une manière simple, dans la simplicité. Et les gens n'ont pas considéré cela.
Les gens continuent sur se divertir. Mais en un clair d'œil, les Japonais ont bombardé les États-Unis. Et beaucoup de gens ont été victimes. Le prophète a dit que l'allemand aussi sera d'une manière simple comme ça. Les gens vont apprendre une information simple comme ça. Mais avant qu'il ne se raconte, l'épouse est déjà partie. C'est pourquoi tous les événements modernes que nous voyons s'accomplissent devant nous aujourd'hui. Nous devons les considérer et nous préparer. Yeah. Ne pas considérer cela. Ça va te conduire à rater l'enlèvement. Amen. 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 Le prophète continue. Paragraphe 92. Il dit aussi la simplicité du message et du messager. Il dit, Noé n'était pas un scientifique. Il n'était pas un homme instruit. Il était un fermier pauvre, humble, avec un message simple. Et son message était trop simple pour leur grand savoir. C'est pareil aujourd'hui. Dieu simplifie toujours la chose. Pour parvenir à ceux qui vont croire et mettre leur confiance en lui. Amen. C'est différent. Et simplement un message différent. Mais le même Dieu. Oh, je veux que vous y croyez et que vous compreniez que c'est Dieu qui l'a prononcé. Jésus a dit qu'ils étaient moqués de son prophète Noé. Et de même qu'ils étaient moqués ce jour-là. De même, ils le feront de nouveau à sa venue. Ils allaient faire la même chose. C'est pour ça que Pharaon s'est noyé dans la mer. Il n'a jamais reconnu son jour. Ne pas reconnaître son jour et son message, son messager. C'est la destruction totale. Lui dit que Pharaon n'a pas reconnu son jour. Quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël à l'Égypte, au lieu que Pharaon puisse reconnaître le messager et le message le jour et son jour, il ne l'a pas fait. Et il s'est noyé dans la mer rouge. Et tous ceux qui n'ont pas reconnu ce message Malachi 4. Ils voient ce projet de la tribulation dangereuse. Amen. Et le prophète a dit, il n'a jamais reconnu ce qui se passait. Il était trop absorbé dans la réalisation de son âge scientifique. Il était trop absorbé dans les réalisations de son âge scientifique. A construit des villes. Avec des esclaves comme maîtres d'œuvre. Donc à cause des réalisations scientifiques, et la construction des villes au temps de Pharaon, ça fait que Pharaon n'a pas pu le temps de reconnaître son
trois jours. Et nous m'avons fait faire au métier va croyer au deux de ces points que et le petit que c'est la même chose qui va se passer aujourd'hui aussi. Et il n'y a pas la peine à nous, ma peuple et que je le fasse. On dit là, il va faire le mien pour que les gens plus le temps pour des réalisations des constructeurs des villes. Mais ils ne prennent pas attention à la parole. Mais quand l'élément aura lieu, tous ces gens-là vont périr. C'est pourquoi reconnais le messager de ton jour. Ça te conduira à reconnaître le jour de laquelle tu vis. Et reconnais le message qu'on t'a donné pour ta délivrance. Parce que en dehors du message de ton jour, tu ne peux pas être délivré. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui reconnaissent le messager de leur jour, avec le message qu'on a de nos messagers, alors ça leur donne la chance pour ça d'être délivrés. Parce que le message de ton jour a une puissance pour te délivrer de tout esprit familial. Le message de ton jour est la puissance pour te délivrer de l'alcool. Le message de ton jour est tellement puissant pour te délivrer de tout esprit impur. Même si tu es prostitué, quand tu racontes le message de ton jour, cet esprit de prostitution ne peut pas tenir devant la parole de ton jour. C'est pourquoi la femme samaritaine, quoique elle est prostituée, lorsqu'elle a raconté le message de son jour, tous les démons de prostitution qui la dérangeaient ne peuvent pas tenir devant le Messie. Parce qu'elle a raconté le message pour sa délivrance. C'est pourquoi si toi aussi, je ne connais pas ta position, ta condition, même si tu as avouté. Si tu racontes le message de ton jour, cette puissance d'avoutement doit te quitter automatiquement. Même si tu es possédé par l'alcool, mais si tu as la semence de Dieu en toi, alors quand tu racontes la parole de ton jour, alors la parole qui est Dieu va te délivrer. C'est pourquoi la semence de Dieu, peu importe là où il est, il suffit qu'il voit la lumière du jour, il suffit qu'il voit la lumière du soir. Quelque chose en lui va lui dire que ça c'est mon créateur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, reconnais le message de ton jour et le jour de laquelle tu vis. Tu as la chance pour ça d'aller dans l'enlèvement. Parce que au temps de Noé, ceux qui ont reçu le message de Noé et qui sont ratés dans l'arche, eux, ils étaient au-dessus du déluge. Le même eau qui a détruit les gens de Sodome, le même eau qui a détruit les gens de Sodome, c'est le même eau. C'est le même eau qui a mis l'arche au-dessus pour sauver Noé et sa famille. Les gens se moquaient de Noé. Que ton message là c'est un faux message. Et les gens profitent de ça pour créer même des églises. Mais Noé ne s'est pas découragé. Noé savait tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Même si c'est un
mille ans après, ça doit s'accomplir cet événement. C'est pourquoi je voudrais vous dire l'enlèvement qui est sorti dans la bouche du produit de Branham. En disant que l'épouse ira dans l'enlèvement, cette prophète vous guette, me guette. Yeah. Pour nous amener dans l'enlèvement pour cet accomplissement. Yeah. Bah, cette part ne peut pas faillir. Yeah. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, attachons-nous à toutes les prophéties. Yeah. Qui sont positives pour notre enlèvement. Parce que le prophète a dit que parmi tous les âges, c'est l'âge de l'Odyssée qui sera le plus court. Quelle est-il? Depuis 1906 jusqu'à aujourd'hui, l'Odyssée a déjà fait 115 ans. Chokaka fait appel et car à la fin si que peut à des va de et bella la odi qui a la et ou à la fin des cas plein lui attend. Donc si le prophète a dit que la de l'autre sera le plus court et que malin y'a brûlé la globe n'a la odi qui a pas bonheur et d'un bonheur y'a des que ma dit diola là. Actuellement, nous ne devons pas dormir encore. On doit se préparer à tout moment. Amen. 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 Le prophète continue. Et il dit que c'est pour ça que Pharaon s'est noyé dans la mer. Amen. Amen. Il était trop occupé pour reconnaître l'occasion qui s'offrait à lui. Si tu es trop préoccupé par les choses de ce monde, tu ne peux pas reconnaître la valeur de la parole pour ton départ. Matima va de Jesse. Amen. 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 Si les choses de ce monde te préoccupent trop, tu ne peux pas se préparer pour aller dans l'enlèvement. Amen. 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 Si les gens ne donnent pas l'importance à la parole aujourd'hui, c'est parce qu'ils donnent l'importance aux choses du monde. Vous voyez, oh, là, pour reconnaître quelqu'un qui est fils de Dieu, ou bien pour savoir que ton métier est fille ou fils de Dieu, il faut voir, tu donnes l'importance à quoi plus. Nous voyons Esau et Jacob. Quand ils sont nés, Esau donc plutôt l'important à la chasse, à l'entreprise, aux choses de ce monde, aux choses du monde. Esau là, et toi aussi qu'on connaît, et fait à dégbédé, à blémenou, à blé, et qui est en blémenou. Mais nous voyons que Jacob, lui, chaque juif mettait sa main sur le droit d'aînesse. Et à Bessia, Bébéla, et non blédé, un coup de, et un coup de, et un coup de, Dieu savait. Parce que quand les deux enfants étaient dans le ventre de leur maman, Dieu savait que quand Esau va sortir dans ses parcours, il ne va pas donner l'importance aux droits d'aînesse. Il va donner seulement l'importance aux choses du monde. Mais Dieu savait que Jacob, quand il va venir dans ce monde, il va s'intéresser aux droits d'aînesse. C'est pourquoi bien avant leur arrivée, Dieu a déjà déterminé leur sort. Il a dit que je l'aime Esau et j'aime Jacob. Parce que Jacob donnait l'importance aux droits d'aînesse. Donc si tu donnes l'importance à la parole, c'est ça le signe que tu es fils et fille de Dieu. Amen.
C'est pourquoi c'est très important de donner l'importance à la parole pour ton salut. Amen. 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 Et le prophète continue. Il dit, il était trop occupé pour reconnaître l'occasion qu'ils offraient à lui. Et il a laissé partir le messager prophète de Dieu dans le désert. Il n'a pas reconnu ce qu'il en était. C'est pour ça que les choses ont pris la tenue qu'elles ont prise. Il n'a jamais reconnu ce qu'il en était. Si seulement il avait reconnu la parole promise de Dieu, destinée à ce peuple-là. Amen. Amen. Et le prophète dit, et si seulement l'église d'aujourd'hui reconnaissait la parole de Dieu qui a fait aux gens, cette promesse pour cette heure. Si seulement les églises reconnaissent la parole de Dieu qui a fait aux gens cette promesse pour cette heure, ils ne périront pas. Vous voyez un peu. Donc, ne pas reconnaître le message de ton jour. Tu dois périr. C'est pourquoi au temps de Noé, ceux qui l'ont cru, Dieu ne les a pas détruits. Donc si toi aussi tu crois le message d'aujourd'hui, et tu la vis 100%, je voudrais te dire que l'enlèvement est pour toi. Amen. Mais le peuple te dit que les églises vont périr. C'est parce qu'ils ont rejeté Malachie 4. Et le prêtre continue. Mais il y a quelqu'un qui s'en souvient. Du sang qui a été versé par les prophètes. Du prix qu'il a fallu payer pour que cet évangile nous soit apporté aujourd'hui. Ces milliers de gens qui ont été dévorés par les lions. Et jetés dans des fosses. Qui ont été sciés, brûlés, crucifiés. Dieu reconnaît cela. L'église a oublié ses prophètes. Ils n'ont plus besoin à ce qu'ils prétendent. Mais Dieu sait qu'il faut qu'il en ait. C'est pas sa parole qu'il taille son peuple. Mais les gens d'aujourd'hui considèrent que c'est trop vieux jeu. C'est trop vieux jeu. Ils ne connaissent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont dans l'état où ils sont. C'est pour ça qu'ils sont nus, misérables, aveugles, malheureux. Ils ne le savent pas. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'heure où nous vivons. Ils n'y font pas attention. Amen. 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 Donc, la même chose que Osée a vu en ce temps-là, dans la vie des enfants d'Israël, Jean aussi dans l'île de Patmos, quand il a vu l'âge de l'Odyssée, l'Odyssée aussi a abandonné la parole. Et il est devenu nu, aveugle. Et à cause de cet aveuglement, alors ce qui est
attend maintenant Laodicée, tous les églises dénominationnelles, c'est la perdition. Et comment nous, que les Laodicées, la langue, et Rao de Dieu, et Catala, et Aigne, Chotron. Amen. Amen. Parce que ne pas reconnu le temps où tu as été visité, c'est les fléaux qui t'attendent. Et nous pouvons voir que quand Jésus a prophétisé, en voyant que les Juifs l'ont rejeté, alors Jésus a pris d'abord prophétiser contre eux. Il s'est tourné vers l'église. Il s'est tourné vers les apôtres. Pour leur donner cet signe. Amen. On va lire ça dans Luc chapitre 21. À partir du verset 20. Dieu ne peut pas laisser son église sans le si. Amen. 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 Luc chapitre 21, verset 6. Luc chapitre 21, à partir du verset 20. Amen. Jésus s'est tourné vers les apôtres pour leur donner cet signe. Parce qu'en voyant ces signes-là, il faut qu'il fuit Jérusalem pour aller ailleurs. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Que ekema amesio le Judea la nasi ai todi eye amesio le etitina. D'accord. Kene miepo avako de tode Jerusalem la ekema mi jesi bena efe afe do zui dovo. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Et que ma, amesio le Judea la, nasi ayi todi, eye amesio le etitina la, na jo ayi, eye amesio le agbleo la, na gaide emo. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ela bena nkeke siaonye no bia bia nkeke o bena wawu nusio kata wongrodi lanu. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Ke baba na amesio foule wofu ple amesio le notinam le nkeke maome. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Elle a bena yaka meka lava anibaladi ple domejuena duko sia. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Eye wa jeyinu, eye wa deo aboyo aide duko kata dome. Eye Trosubolao, la tu afo Jerusalem di, hala sede esime, wawu, trosubolao pe, yeyi ilanu. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Eye, desio la dode, le, ple, leti, ple, leti viome. Eye, le, anigba di la, Vovon lado duko eye wawo jojo nyenyele atiafu eye wawo jojojo le atiafu fe gbedede kule efe agbojeje lanti. Les hommes rendaient l'âme de terreur dans l'attente de ce qui suviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Eye ame ofe gbogbonu lati le vovon ple mon popo na nusio le anigba blibola kata divam la nti elabena wa vuvu dipo pe nse o. Alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ekema wa po amebeto vila
Wagbona le alili kpoume, ple unse ple unti kokwe gede. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Kene musia ode asi eme vava mela, ekema mi ou modi eye, mi ko mi apre tao teti, el abena mi apre dede la gogo. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Eye odolo nao blobena, mi po boti la ple ati o katada, ne oto angbao la mia poe adesi le miadoku ici bena. Je me moni le dodum, ne ma ke miaoha, ne mie po nusiao le eme vamla, mi jesi bena, ma ou fiadoufe la gogo. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Fava me le eblom na mi bena, didi messia nous me le yige akbo o, basse de esime, wa ou nusiao katano. Le verset 33 dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pipibla tonvo et tolia le boblombena. Diple aniba nou lavayi, ke nye nyao nou me le yige akpo o. Et verset 34 dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'empesantissent pas les accès du manger et du boire, et pas les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pipibla et tonvo et neliabe. Et mi po mi a doku di nye bena nou tu dudu ple ahamumu ple di ma di titi de nou dudu nagate mi a pedi beto o eye nkekema nagalili mi abe mo ene o. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. El avena ate amesi okata no anibabli bolape nkume ladi eyaunti mino unjo leyema leya okata yi me ple bedododa bena nyateun asile nusia okata. Si o le eme vage lanu eye be nya titre de amegbeto vila nkume. Amen. Amen. Donc le Dieu que nous adorons, il aime tellement ses élus. Après d'avoir prophétisé le mal sur Israël, après avoir rejeté le Messie, il s'est tourné vers les apôtres, l'Église, pour leur montrer cet signe. Et dès que vous allez commencer à voir ceci, alors ceux qui seront à Judée n'ont qu'à fuir dans les montagnes. Car ça sera des jours de vengeance pour la confusion de tout ce qui est écrit. Je crois que quand les apôtres ont écouté cela, l'Église a écouté cela en ce temps-là, ils ont commencé à observer Jérusalem attentivement. Et ils méditaient sur cette prophétie. Et tout allait comme avant. Les gens pensaient que ça ne va pas s'accomplir. Mais voici un jour brusquement, nous voyons un général qui s'appelle Alabi. Il a déployé ses militaires et ils sont partis à ce que Jérusalem. Et quand Alabi a ce que Jérusalem,
Alors, le prophète a dit qu'on lui a la puce à la pièce, on a la puce tirée sur Jérusalem. Alors, quand il a vu Jérusalem, le général Alabi a envoyé un télégramme au roi d'Angleterre. Je ne vais pas tirer sur la ville. À cause de son caractère sacré. Et quand Alabi et son équipe ont attaqué Jérusalem. Au lieu d'être violent et tirer sur la ville, du contraire, ils ont commencé à assurer la sécurité autour de la ville. Et en le disant que entrer et sortir est possible. Nous sommes venus pour vous protéger. Alors nous ne sommes pas venus pour vous faire du mal. Maintenant, quand d'autres apôtres, quand ils ont vu à la maison de Dieu ce que Jérusalem, malgré qu'ils ne sont pas offensifs, mais ils ont savent que ça c'est piège. Mais parmi certaines personnes, eux, ils ont tenté pour rentrer. Mais dès que d'autres apôtres ont vu cela, ils ont commencé à fuir, d'autres pour aller rester sur la montagne de Judée. Je peux voir le jour là. Parmi un frère dans ce temps, peut-être il a beaucoup construit dans la ville. Voici il est parti quelque part, venant la ville à la vie et son armée a séquestré Jérusalem. À cause de ce bien qu'il a dans la ville, au lieu de considérer la prophétie, alors ce professeur ne sera pas dit, je vais négocier avec les militaires pour rentrer. Et peut-être à cause de ce négociation, il est rentré. Mais d'autres, malgré la bière, ils ne cherchent pas à rentrer. Malgré que les militaires et le général ne faisaient pas de violence. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a prononcé une parole, il verse une parole pour l'accomplir. Malgré que Alabi ne fait pas la violence, cela ne veut pas dire que la prophétie ne peut pas s'accomplir. Cela est venu primaire sur vous, tester maintenant l'église. Amen. Et d'autres parmi les apôtres, ils n'ont pas cherché à rentrer. Peut-être ceux qui étaient partis au champ, ils sont partis au champ avec les amis à Hayon. Dès qu'ils ont vu l'équipe de Alabi à ce que Jérusalem, ils ont préféré retourner au champ avec les amis à Hayon. Il n'a pas dit on va aller chercher notre valise. Alors directement au champ. Parce que c'est ainsi très dangereux. Mais ceux qui ont entendu sur leur cœur pour dire qu'ils ne font pas la violence, ils ne tirent pas sur les gens. Nous voyons que la prophétie est maintenant modérée. Dieu maintenant a simplifié la prophétie pour nous.
Alors ceux qui se sont rentrés, ils allaient nous-mêmes toutes les activités. Maintenant ceux qui n'ont pas pu rentrer, ils sont partis définitivement. Maintenant ceux qui sont rentrés, ils continuent les activités. Ils ont commencé à se moquer des frères de ceux qui ne sont plus revenus. Et mon frère, ma soeur, voici le général Titus maintenant qui a déployé son armée. Au moment où Alabi a dit à son armée qu'il tombe pour retourner, alors maintenant Titus maintenant a déployé ses armées. Quand Titus est arrivé avec son armée, quand ils ont assiégé Jérusalem, ils ont posé des conditions. Titus a dit que entrer c'est ok, mais sortir c'est bloqué. Et je peux voir que Titus est venu dans la nuit. Comment tout le monde est rentré dans la ville pour se coucher? Alors, le matin maintenant se réveille pour aller au boulot. Voici les militaires qui ont assiégé Jérusalem. Et ils ont reçu des instructions fortes. Personne ne doit pas sortir. Mais les gens peuvent rentrer. Comme ils sont venus la nuit, peut-être vers 1h du matin, 2h du matin, tout le monde est rentré dans la ville pour se coucher. Le matin maintenant tout est bloqué. C'est là maintenant que Jérusalem est devenu compliqué. Personne ne peut pas sortir. C'est là maintenant ceux qui étaient entrés au temps de Alabi. Il n'a plus la possibilité pour sortir. Il faut commencer à dire que les frères qui n'ont pas pu rentrer avant, c'est eux qui ont la foi. Reconnais le message de son vieux, son message est très important. Ado de si oyeyi me kule pe gbeda si la enye nu fe fie odo. Titus et son armée. Titus va quoi? Ils ont pressé Jérusalem, le peuple. Jérusalem attendent pour que les vivres soient finis. Les gens commencent à manger les écorces des arbres. Les gens commencent à manger les enfants. Quand ils ont remarqué qu'ils étaient faibles, alors ils ont commencé maintenant à tirer pour bombarder. Les gens fuient pour aller dans le temple. Pour prier dans le temple. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas pu contrer la prophétie, pour ne pas rentrer au temps de Alabi. Alors quand tu es rentré, ta foi ne peut pas te sauver à ce temps-là. Tu peux prier jeûner. Tu dois périr. Parce que ta foi ne peut pas travailler. Tu as été incrédule. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Jésus a donné des signes.
Et tes apôtres ont considéré cela. Et aujourd'hui aussi, le prophète que Dieu nous a envoyé, il nous a donné des signes. Que en les voyant aujourd'hui s'accomplissant, nous devons commencer à nous préparer pour aller dans l'enlèvement. Nous voyons maintenant, les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui là-bas, comment tu considères cet événement? Tu prends ça à la légère? Ou bien tu considères cela? Amen. Parce que le prophète a dit que dans la brochure, les saintes de l'église, par cela, une femme se levera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Dans la brochure, l'âge de l'église de l'Odyssée, paragraphe 49, Le monde a dit que on a tellement la musique qui a fait agbenoya à kabla et ne voit ce qu'il y a. Le prophète dit, il y aura une forme puissante. Non, nous cessez aller. Souvenez-en. Cela est aussi enregistré. Une femme puissante. Non, nous cessez aller. Une femme glorieuse. Non, allez qu'elle n'y a pas. Elle sera présidente. Ou alors cette femme représente l'Église catholique. Je pense que c'est cela. Dans la prochaine, la défense, au paragraphe 48, le prophète dit, à ce temps-là, il y aura une grande femme qui se lèvera aux États-Unis. Elle est élégante et belle. Mais son cœur était cruel. Amen. Dans la brochure, la 70e semaine de Daniel. 77. Les membres ont dit que Nathaniel Daniel fait. Considérable Adrien, mais là. Paragraphe 207. Et nous mettons à la fin avec Adrien. Le prophète dit, maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit. J'ai vu une grande femme se lever. Mais pendant nous garder tout. Ravissante. Vêtue de façon très royale. Avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une femme. Non, tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Amen. Et le prophète dit, dans la moitié de ce moment, et ainsi ceci, je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, ça c'est un pays de la femme. Son nom est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. Tout, c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présente, soit vice-présente. Soit sera l'Église catholique en tant que femme.
Allô, Agne, catholique, il fait choti avec mon moine. J'ai vu cela. Mais quoi, si y a une grande femme. Nous nous gardons. La nation s'inclinait devant elle. Et y a du bacata. Il en aura une femme. J'ai vu cela. Mais une grande femme. Il y aura une avant le temps de la fête. Et nous aurons la Amérique. Du coup, pourquoi me va gagner nous là-bas. Ainsi dit le Seigneur. Allez, après la gloire. Notez cela, voyez. Vous les jeunes gens. Voyez si cela va arriver. Si cela n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Amen. 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 Le paragraphe 93 dit, souvenez-vous bien, c'est la fin. Cette Amérique est une nation de la femme. C'est un endroit où elle est une déesse en toute indépendance. C'est un endroit où elle est une déesse en toute indépendance. Et l'homme ne lui dit rien. C'est elle le chef. Elle dirige tout. Les affaires et tout. Elle est même entrée dans l'église à l'estrade. À la chair. Et elle la dirige maintenant. Voilà donc où vous allez. Voyez, cela est tout aussi contraire aux Écritures. Quelqu'un est Abel, trompeur de suspension. Ou Abel sera comme Caïn. Certainement toutes ces choses, c'est elle qui les dirige. Elle est une déesse. C'est ce qui se passe en Amérique. Mon frère, ma soeur, d'une manière d'une autre, Apocalypse chapitre 13 parle de l'Amérique. Amen. 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 Et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons être là petit. Et d'habitude, quand le président exerce sa fonction, les vices sont dans l'ombre. Mais je suis en train de méditer cela. Et je me disais, si ça peut arriver que Joe Biden ne tenait pas son mandat. Alors la vie cela devient présente automatique. Et que ma l'aimeke américain ma blonyare le mokaka manomela et mon noyé a zoujouplo là et nous marque. Amen. 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 Ça peut arriver. A bien fait, mais. Que Joe Biden ne tient pas son mandat. Mais Joe Biden là, ma ou, fait que voilà, fait à toi, nous. Et quand la femme vient à sa place, son président. Alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui va aller directement dans le chaos. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons considérer toutes ces choses pour nous préparer. Nous devons regarder Israël qui est le fugueur. Elle est direct dans sa position. Et regardez aussi les États-Unis. Et nous devons regarder aussi les États-Unis. Parce que quoi que ce soit les choses du passé, présent dans le futur, l'Amérique aussi est dans la prophétie. Et pour la première fois, c'est le gouvernement des États-Unis
y a beaucoup de femmes dans le gouvernement. Pour la première fois. Na zibanto la America du ko ko nyonu o subo le pe jiru kwa no. Parce que le plan dit qu'elle va dominer l'administration. Elle a bena nya bela globe na nuka. Nyonu a ba du du kwa di alon nu do ko di. Comme les femmes sont dominées dans le gouvernement des États-Unis actuellement. Le meke nyonu o subo le America du ko ko a fait du don mu no bia fifi la. Alors la désolation de l'Amérique est proche. America fait baba gogo. Et nous pouvons voir aussi que dans notre pays, quand vous voyez un gouvernement dans lequel les banques sont dominées, alors ce pays-là a perdu la tête. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'état dans lequel nous sommes est tellement dangereux. Les femmes veulent dominer le monde. Non, nous on dit mais ouah, Bouki qui a dit pour la détruire. Mais ouah, blé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur. Et à dans l'avenir, tu prends l'avenir, non, non. Quelle heure est-il? Gagner ni est faux. C'est un temps que nous devons chercher le Saint-Esprit. Eh, il y a un mot, les bénamis a dit que bon, quoi, il vient. Très important. Eh, les bénamis viennent donc. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, mettons un sang sur le baptême de Saint-Esprit dans nos maisons actuellement. Parce que les temps qui sont devant nous sont peu. Et l'enlèvement peut tuer à tout moment. Amen. 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 C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons nous préparer pour notre départ. Il ne reste plus encore beaucoup de temps. Ça peut venir de l'après-midi. Ça peut venir la semaine prochaine. Ça peut venir l'année prochaine. Ça peut venir 1000 ans. Après. Mais notre devoir, c'est de nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que le prophète a dit. Que ceux qui auront le Saint-Esprit, ce sont ceux qui iront. C'est pourquoi c'est un temps de sondage. Et se séparer du monde. Se séparer des mauvais compagnies. Amen. 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 On a posé la question au prophète. Amen. Dans la brochure, question-réponse. Amen. 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 On lui disait. Oh non, bien c'est. On lui posait la question. Oh non, bien c'est. Que très banal. À quel achèvement devrons-nous laisser nos pré-adolescents participer? Excusez-moi, à quelle activité nos pré-adolescents devraient-ils participer? Benade, nous jojo kawe me mi atema dasi le mi avi yometi olabe wa pokome le mema. Aussi, ou comment devons-nous y prendre pour les aider à choisir leurs amis? Eye, aleke mi atem peronti benade wa ti ope kono. Le prophète répond que gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous pourrez. Amen. 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 Donc nous en tant que les parents, envoyons les temps qui sont dangereux devant nous. Et puis il n'y a plus de rassemblement dans le tabernacle. Et beaucoup de gens commencent à tomber. Chaviré un peu partout. Et autrement la fille s'affiche. Mon frère, ma soeur, le prophète a dit que nous devons garder-les en compagnie de chrétiens, nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui ont commencé à tirer des relations dans le monde. Mais nous devons les garder en compagnie de chrétiens. Et bien, si c'est une fille, gardez-la.
étais là avec des jeunes filles chrétiennes. Vous les sœurs qui tissez de relations avec les filles du monde. Le prophète de l'art a dit. William Branham. Que vous les jeunes filles, gardez-vous avec les vous entre vous les chrétiennes filles. Si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Et avec des jeunes hommes chrétiens. Si c'est l'inverse, si les frères aussi peuvent chercher les frères chrétiens pour aller ensemble. Amen. Parce que c'est très important pour garder la croix dans sa totalité, dans sa pureté. Tu dois veiller sur ta compagnie. Même au niveau des parents aussi, vous devez veiller sur vos compagnies. Et le monde a en train de se fondre nuit de jour. Amen. Et le prophète dit, si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. Un bon frère. Ce n'est pas un bon garçon dans le monde de la domination. Un bon frère qui a le Saint-Esprit. Le prophète faisait un bon garçon, un bon frère. Parce qu'il y a des faux frères qui sont là pour pouvoir détruire les sœurs. Ces faux frères là, ils ont la souvent du diable en eux. Si elle fréquente ta fille, c'est pour la violer en cours de route. C'est pourquoi si un frère vient chez toi pour fréquenter ta fille, mon frère, ma soeur, tu dois aussi avoir le discernement pour voir si le frère a le Saint-Esprit. Si le frère n'a pas le Saint-Esprit, toi, papa, tu peux le dire. Va chercher le Saint-Esprit de venir fréquenter ma fille. Parce que les temps sont dangereux. Amen. Et le prophète dit, veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. Découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. Découragez-la. Si elle s'en va fréquenter un garçon dans le monde, ce garçon peut avoir une voiture. Il peut avoir une maison. Mon frère, ma soeur, elle, il peut avoir même l'argent dans la banque pleine. Toi, ma soeur, tu dois décourager ta fille de ne pas aller là-bas. C'est un piège. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tu vois une soeur
qui fréquente un garçon dans le monde. Il suffit que le garçon du monde là a les biens matériels. Alors la maman va commencer à l'encourager, il faut l'aider à venir à l'église. Ça c'est un piège. Amen. Le prophète a dit que épouser quelqu'un qui croit la même chose comme toi et qui est né de nouveau. Amen. Qui croit la même chose comme toi? Nous des cas qui dit nos et qu'il est né de nouveau. Et il est bien en toi. Alors nous nous allons pas vous bondir. Parce que dans ce temps de confinement et de dans ce temps dans lequel nous vivons. Et que ma mère bloque ouvert la ligne mais que nous allons sortir vers vos filles là. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens ont pu être lui. Et nous que les hola. Beaucoup de frères, ils ont des femmes dans le monde. Nous ils ont des copines. Et il vient encore à la maison au foyer, ils se font déjanter avec leur femme. Les frères qui n'ont pas encore se marié, ils ont des copines dans le monde. Ils vivent comme des mariés. Parce que Dieu ne les voit pas. Mais je vous dis que Dieu vous voit. Même si tu as caressé une fille dans le monde, dans l'obscurité, Dieu te voit. Et puis, ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps que chacun doit manifester l'assurement qui est en lui. Amen. Parce que le décès de Dieu doit s'accomplir chacun de nous. Si jusqu'alors tu n'es plus dans la parole, je te dis que c'est la volonté de Dieu, pour toi. Parce que c'est un décès. Comme tu n'es plus dans la parole, tu ne peux pas faire aucun effort. Parce que pour demeurer dans la parole, jusqu'à la fin, ça ne dépend pas de toi et moi. Ça dépend de Dieu. C'est pour quoi mon frère, ma soeur. Quelle heure est-il? Quelle vie tu mènes? Il a le temps pour que tu puisses changer. Dieu est capable seulement de te pardonner. Pour commencer une nouvelle vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de repentance chaque jour. Amen. Et ce matin même, si tu prends la décision que je ne veux plus continuer comme je le faisais avant, Dieu est capable pour te pardonner. Si tu une semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu se répand. Mais la semence de serpent ne se répand pas. Il peut écouter la parole. Mais il ne peut pas mettre ça en pratique. Mais un enfant de Dieu. Semence de Dieu. Se répand. Et Dieu l'aide. Dieu lui protège. Pour que son décès positif s'accomplisse dans sa vie. C'est pourquoi nous devons remercier Dieu pour ce moment de coronavirus qui a passé l'année passée. Coronavirus, par le fait que la persécution aide beaucoup l'église. Amen. 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 Et ce temps dans lequel nous sommes, l'épouse s'est ancrée encore dans la parole plus. Et elle s'attache à la parole. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le temps que nous sommes là est dangereux. Et l'enlèvement est à la porte.
Et tu as fait pour terminer. Mais ma chambre, je vais lui brocher du prophète. Pour terminer. Mais ma chambre, amen. 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 Le prophète dit. Et dans la brochure, toujours reconnaît votre jeu et son message. Paragraphe 66. Il dit en tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir sauf le départ de l'épouse. Je répète là-bas. Le prophète de Dieu, William Branham, dit en tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir. Sauf le départ de l'épouse. Et il dit, et l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui s'est passé. Ils avaient été liés, dispersés. Je veux dire, ils avaient été dispersés, aveuglés. Et maintenant, ils ont été rassemblés. Donc, il veut parler d'Israël. Israël. Ok. Voilà. Quand Dieu a prophétisé, on les a dispersés, aveuglés. Maintenant, ils sont maintenant dans la nation, on les a rassemblés maintenant. Amen. Achala Israël, Obangune, Eye, Okane, Fifiazola, Ova Fuanufu, de Epe de Jume Azan. Qu'est-ce qui reste? Lukaega Poto. Que l'épouse soit ôtée du chemin. Lukaega Poto, Ova Kono, Sronon, Majolem. Ils attendent le départ de l'épouse. Oh, les Sronon, Efe Kokoje Lalam. Pour que leur prophète Apocalypse 11. Israël, elle était non pas seulement un peu Jojo, elle est maintenant ou après Nabrida, elle n'y a déjà pas par ta vie de qui a même. Puisse les convoquer à la fête de la trompette. Ouatem a peu va et peu beaucoup fait à Zamam. Et que si ils sont amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait. Et que mala Israël, Ouatem a pas de si et nous y qu'on. Amen. Amen. Donc actuellement, Israël. Que Azofifila, là, Israël. Ils ont été aveuglés, dispersés. Pour que toi et moi, on puisse reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on les a rassemblés. Ils ont retourné dans leur patrie. Maintenant, ils attendent maintenant l'enlèvement de l'épouse. Pour que leur prophète Apocalypse chapitre 11. Puisse les convoquer à la fin de la trompette. Amen. 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 Et le prophète dit, pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène deux témoins. Moïse et Élie, des prophètes, et les Juifs croient seulement leurs prophètes. Ils arriveront munis du signe des prophètes. Et leur sera celle de prophètes. En effet, ils ont fait exactement. Trois points de suspension. Ce qui montre une chose. Homme, quand tu meurs, ou quoi encore, quand tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Le prophète dit que le prophète Élie et Moïse que Dieu va susciter pour aller en Israël, d'après l'Apocalypse chapitre 11, c'est la même nature qu'ils avaient quand ils travaillaient dans l'Ancien Testament. Amen. 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 Donc, le point dit que la nature ne change pas. Amen. Donc, si tu es menteur maintenant,
Tu seras un martyr là-bas. Mon frère, ma soeur, si tu es menteur, ton père, actuellement, est-il jour de ça? Si tu meurs, tu vas demeurer toujours menteur. Et tu ne trouveras pas ta place au père d'Abraham. Abraham. Amen. La mort ne change pas la nature de l'homme. Si tu es prostitué, si tu meurs, tu demeures toujours prostitué. Amen. 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 Et le prophète dit, si tu es propre à t'irriter ici, si tu es propre à t'irriter, tu seras propre à t'irriter là-bas. Les frères, les soeurs qui s'héritent vite. Si tu ne changes pas ce matin et que cette nature d'irritation est en toi, le jour le Seigneur t'appelle, cette nature d'irritation va demeurer toujours en toi. Amen. C'est pourquoi c'est très important de chercher la nouvelle naissance et chercher la nature divine de la parole. Le prophète dit, si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Ceux qui ne croient pas la parole, s'ils meurent, c'est la continuité. Le prophète dit, homme et femme, il est temps de vous secouer. De vous examiner pour voir où nous en sommes. Car la mort n'y change rien. C'est pourquoi ce matin, que chacun puisse examiner pour chercher la nature de la parole. La colombe a sa nature. Le corbeau aussi a sa nature. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'avoir cette nature. C'est pourquoi ce matin, si tu es prostitué, voleur, menteur, connereur, voleur, et fiafito, change ce matin. Tron d'Isia. Change ce matin. Tron d'Isia. Dieu est capable Maosute de te délivrer. Mais à tout cas, que Dieu vous bénisse. Maouna. Il est plus tard que vous ne le pensez. Alléluia. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, combien de temps, annonçant la vie.
Il est plus tard plus que nous le passons. Bada yu ale ike mye susui. Est-ce que tu es déjà prêt? Dele sogbea. Pour aller dans l'enlèvement. Wena ile koko jue mea. L'enlèvement ce n'est pas pour les dénominations. Koko jue la menye haorodio to yu. Ce n'est pas pour le monde. Menye ki kia me to yu. Mais c'est pour toi qui as cru la parole. Ke bo enye wu awa me ike ho inyala dito. C'est pour toi qui as le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais inviter chacun de vous. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Que chacun puisse se sonder. Et demander de l'éprouver. S'il y a quelque chose en toi, contrairement à la parole, vous ne pas demander de te délivrer. Et tu lui dis que de t'aider, de te donner le Saint-Esprit, et que la prophétie de Joël chapitre 2 verset 8 s'accomplit dans ta vie. C'est le temps où l'époux doit chercher à être rempli. Tu dois chercher à être rempli. Tu dois chercher la nature du Saint-Esprit. L'humilité du Saint-Esprit. La simplicité du Saint-Esprit. Parce que le départ est proche. Tu dois préparer tes dossiers. Tes dossiers spirituels, tu dois les réunir. Parce que Dieu est tabernacle. Et tous les vertus doivent être à leur place. C'est pourquoi que chacun puisse prier à son Dieu ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Je te remercie ce matin. Que ton amour et ta grâce, que tu m'as fait pour ce matin dans ce monde. Merci Seigneur pour ton inspiration. Merci pour ta sagesse, merci pour notre Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin, que quand nous sommes deux heures dans notre église, Seigneur, tu es d'amour et de miséricorde. Alors, que notre église, Seigneur, la demande pour ta notre église, Seigneur, ma prière, c'est que Seigneur, que par ta miséricorde, ta beauté, c'est que Seigneur, au Père éternel, accorde-moi ce qui se ce matin, une des fois que tu as tout à l'heure dans notre église, Seigneur. Tu es d'amour de comprendre ce qui se fait, après ce que la note, c'est que Adam, avant cela, mais je suis sur le Seigneur, pour d'amour d'amour ce qui se fait. Tu es d'amour de comprendre ce qui se fait, accorde-moi ce qui te montre ce matin, et d'amour d'amour ce qui se fait, après ce qui te montre ce matin, pour d'amour d'amour ce qui se fait. Tu es l'amour de Dieu, c'est les confesses. Je veux que Seigneur. Je veux qu'on fasse ta bouche, c'est Seigneur. Bataka ta miséricorde, Seigneur. Baptise mon âme ce matin. Baptise le Dieu ce matin. Pour ta joie, ta bouche, c'est Seigneur. Bataka ta miséricorde, Seigneur. Baptise le Dieu ce matin. Pour ta joie, ta bouche, c'est Seigneur. Bataka ta miséricorde, Seigneur. Que ta prophétie, Seigneur. Dans le Dieu, ta prophétie, Seigneur. Après, c'est ce matin, ta banque. Après, c'est de la table, la vie de Seigneur. Avant ce matin, et tout ce que sous votre ce matin, pour ta mort d'amour, c'est qui Seigneur. Tu es d'amour de prophète, c'est qui Seigneur. Par ta miséricorde, c'est qui Seigneur. Accorde ce matin, c'est qui Seigneur. Le bâton de ce matin, pour ta mort, c'est qui Seigneur. Après ce matin, pour ta mort d'amour, c'est qui Seigneur.
Tu es ta bonne compagnie, c'est qui, Seigneur? Par ta miséricorde, c'est qui, Seigneur? Fais bien à rien, c'est qui, Seigneur? De la joie sur ma table pour moi. Au carbone, c'est qui, Seigneur? Père éternel, c'est qui, Seigneur? Bénis ton pour ce qui est de ta parole. Dans le Seigneur, c'est qui, Seigneur? À ton pour ce matin pour ta bonne c'est qui, Seigneur? Père, mes sommeils aussi. Je me prie avec la soeur du Saint-Église. Jésus-Christ. Ce matin, nous te remercions pour ton amour pour nous. Nous disons à nous merci de nous avoir envoyé le prophète William Branham. Merci pour les sept visions que tu lui as données. Pour nous avertir sur le temps qui est devant nous. Et tout ce que tu as dit à travers lui, nous avons commencé à les voir un à un alors qu'on accomplissait. Tu as maudit aux apôtres en leur montant certains signes autour de Jérusalem. Aujourd'hui aussi, nous aussi nous voyons les signes autour des États-Unis. Seigneur, aide-nous ce matin pour que chacun de nous puisse commencer, Seigneur, à te chercher plus qu'avant. À chercher le remplissant du Saint-Esprit plus qu'avant. Pour ta gloire, il est écrit dans ta parole que tu as envoyé ta parole vers les nations et ta parole les a délivrés. Je prie ce matin que cette parole qui est sortie de toi ce matin puisse faire son travail dans la vie de tes enfants avant de venir chez toi dans le nom du Seigneur Christ. Père éternel,
Si une soeur et un frère, il est possédé par l'ennemi, je puisse ce matin que ta parole qui est sortie puisse la délivrer dans le nom du Seigneur Christ. Dans le Saint-Esprit, qui en a besoin de cet esprit pour ta gloire dans nos Seigneurs Père éternel, alors que nous avons cette semaine devant nous, je prie Père éternel que tu envoies ton âme devant chaque soeur tout au long de la semaine dans nos Seigneurs Christ et prépare-nous pour ton départ définitif pour ta gloire. Père éternel, délivre ton peuple du mal du tâton tout au long de la semaine pour ta gloire. Père éternel, et que le bonheur et la grâce puissent accompagner chacun de nous pour ta gloire dans nos Seigneurs Christ. Bénis ton peuple d'Israël aussi et pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta conduite. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Nous avons prié dans la puissance de Jésus Christ. Amen. 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 Thank you.